tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog à Londres. On est parti 4 jours en février et j'ai filmé tout ça. J'espère vous faire découvrir de nouveaux endroits et vous faire un peu voyager avec nous. C'est parti! Bon, c'est mon premier vlog, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que je pourrais améliorer. Bisous! Pourquoi est-ce que tu es là, exclusivement ici dans ce parc? Parce qu'il y a des écureuils et j'aime beaucoup les écureuils, donc j'espère en avoir un. Non mais par contre le parc est immense. Ouais, il est beau hein. Et il est super beau aujourd'hui. Enfin en tout cas pour le moment il pleut pas. Oui. J'ai senti son petit museau. C'est trop mignon. On est à Londres. Et aujourd'hui c'est journée shopping. Et Shake Shack. Et Shake Shack. Il y en a un à 32 minutes. Oh, c'est loin. KFC alors? Non, pas KFC, Shake Shack. Allez. Non. Mais comme ça on marche et comme ça on éliminera le Shake Shack. Ok, on va d'abord chez Vans. C'est là, Loulou? Oui, mais il faut traverser. Là. Il est beau le Vans. Super beau. Si vous kiffez Vans, vous pouvez customiser vos paires à souhait dans ce shop. Pour les hype beast and effet pour vous. Bon, il faudra quand même sortir sa visa car elle propose plein de marques exclusives. Alors, on vient d'aller au Peggy Portion. C'était un truc hyper instagrammable. J'avais repéré sur Instagram, j'étais là, oh my god, c'est un endroit pour manger un cupcake, boire du thé, chocolat chaud, café, enfin, tout ce qui peut être rose. Oui, tout ce qui peut être rose et très Instagram. Franchement, c'était bon. Hein. Alors, c'était bon, mais c'est méga sucré quand même. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, t'as une couche de crème. Ouais. Aujourd'hui, on s'est levé super tôt, enfin super tôt, c'est genre super tôt, parce qu'on a réservé un petit déjeuner en bombe. On a réservé au Copa Club, c'est dans des igloos. Je suis trop excitée parce qu'on a dû réserver quand même un mois à l'avance. Et en plus, c'est juste en face du Tower Bridge. Thank you. Ça a l'air ouf, hein. T'as bien aimé ce petit déjeuner? Ouais, c'était bon, t'as une très bonne idée. Comme ça. C'est plus. 30. Enfin, tu vas au parc d'autres, t'as la même. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le métro, on va changer de chambre d'hôtel parce que t'as trop mal dormi. Le problème, c'est que les bâtiments sont assez vieux et donc il n'y a pas de double vitrage, c'est encore des vieilles fenêtres et c'est comme si ta fenêtre était ouverte quand ouais. On est vraiment. Et on va revenir ici pour être dans le quartier du London Bridge. Là. Mais tu sais ce que je te propose? Quoi? Pour revenir jusqu'au London Bridge, on essaie de se trouver un arrêt pour acheter des tickets pour le, ah oui. Pour le bus touristique. Transition courte. On vient
bien entendre le... Big Buzz, le Hop on Hop Off. C'est un peu galère, hein, franchement. Je suis pas sûre qu'elles en vont au bon endroit. Donc là, on s'est arrêté au Green Park pour aller au Buckingham Palace. Trop déçue de pas avoir vu la Queen. Mais bon, on va se le dire, le Buckingham Palace reste incontournable. On a mangé au Gocho, c'est juste derrière. On est juste en face du London Bridge. On avait faim, on devait trouver un resto. C'était le seul resto qui nous semblait convenable. Et heureusement pour le prix, voilà. Et c'était super bon. Ah, t'as vu El Copar? Ah, mais c'est les igloos, on était là. Tiens, mais qu'est-ce que je suis con. On est allé boire un verre au Sky Garden et l'endroit était super beau avec une trop belle vue sur Londres. Bon, il faisait quand même un peu froid et les consommations étaient chères. Aujourd'hui, on est déjà à Notting Hill. Trop mimou. Mimou, c'est trop mimou. C'est trop mimou, voilà. Un bidou, c'est trop mimou. C'est trop mimou. On va aller déjeuner au Granger & Co. Je crois qu'on va aller un peu regarder après dans les petites rues parce qu'il y a vraiment des chouettes petites maisons pour une petite photo. Après, on va au British Museum. Ça va être cool. Ouais, parce qu'il fait quand même moche. Vous pouvez apercevoir des feuilles d'acanthe qui mettent en évidence le style corinthien du Parthénon de Phébobo. Ah ouais. Elle a un bleu. Un bleu corinthien. Ce sont des couilles d'acanthe. Transition cool. Ce mini golf est trop cool. C'est pas un bête golfy, c'est vraiment un mini golf du futur. Bon, l'expérience vous coûtera 50 livres pour deux, mais franchement, on s'est beaucoup trop éclaté. Les gars, j'étais choquée. Trop heureuse d'avoir vu le siège de Vogue Londres. Je me croyais dans le diable s'habillant Prada, un rêve. Comme ça, t'as pas froid. Quand t'as hâte ? Oui. Trop dommage que ça se livre pas en Belgique. On va y retourner. Bon, après ce moment un peu gênant, notre séjour s'achève. C'était 4 jours incroyables. Londres est vraiment notre ville coup de cœur. J'espère vous avoir appris de nouveaux endroits. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, à commenter et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, bisous.